morning, rise on your feet and shout the loudest. If you are happy to be alive, if you are happy to be healthy, if you are happy to be free, Amen. We will worship the King of Glory by taking this worship song of God. King of Glory, we adore you. Because you are above all power. Parce que tu es le you are above all thrones. Tu es au-dessus de you are above all kingdom. Tu es au-dessus de tout royaume. You are above all the ways of man. Tu es au-dessus de toutes les voies des hommes. You are the one that loved us. Tu es celui qui nous aime. Even in our imperfection, you loved us. Même dans nos imperfections, tu nous aimes. In our sin, you loved us. Même dans nos péchés, tu nous aimes. And you provided for us. Et tu as pourvu pour nous. A way of reconciliation with you. Une façon d'être réconcilié à toi. Father, we thank you. Père, nous te remercions. For your only begotten Son that died on the cross so we can live. Pour ton Fils unique qui est mort à la croix pour que nous puissions vivre. Lord, we thank you. Seigneur, nous te remercions. For the grace to be alive today. Pour la grâce d'être en vie aujourd'hui. We thank you for the grace that you have given to us to come together to lift up your name. Pour la grâce que tu nous as fait d'être devenir ensemble pour élever ton nom. Thank you for your visitation this morning. Merci pour ta visite ce matin. Thank you for what you are going to do in this morning. Merci pour ce que tu vas faire au milieu de nous. Lord, I thank you for everyone that are here this morning. Seigneur, je te remercie pour toute personne qui est ici. Lord, I ask this morning. Seigneur, je demande ce matin that you prepare their heart to receive your word. Que tu prépares leur cœur à recevoir ta parole. Lord, I pray that. Seigneur, je the entrance of your word que l'entrée de ta parole will give them light and understanding.
leur donne la lumière et la compréhension. Everything that represents ignorance in their life. Tout ce qui représente l'ignorance dans leur vie. I pray this je prie ce matin that your wisdom que ta sagesse will override every form of ignorance in the life of your children this morning. Father, as this morning, Seigneur, je te demande ce matin that the word that you have for a soul here this morning, que la parole que tu as pour une âme ce matin, let that soul receive this morning. Que cette âme la reçoive ce matin. That word that will revive, cette parole qui va raviver, renouveler, empower, et encourager, strengthen. Et fortifier. Father, speak to them. Seigneur, parle à tes enfants. Holy Spirit, I yield myself to you. Je me soumets à toi. I have no power of my own. Je n'ai pas de pouvoir par ma propre. Lord, I have prepared what I want to say. Père, j'ai préparé ce que je veux dire. But I ask this morning. Mais Seigneur, je demande. That you use me to speak to your children. Que tu m'utilises pour parler à tes enfants. Give me the grace to minister your mind. Donne-moi la grâce de minister ta pensée à eux. Let me not minister the wisdom of man. Que ce soit pas la sagesse de l'homme. But let me minister your wisdom from above. Je ministre ta sagesse qui vient d'en haut. And let souls be touched. Que les âmes soient touchées. Let them be encouraged. Qu'ils soient encouragés. Let no one leave your presence empty and let it go. Que personne ne quitte ta présence ce matin. La have your way in our garden this morning. Prends ta place au milieu de nous ce in matin. Jesus, mighty au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Why don't you shake one or two people and say, welcome, this is my month of victory. My victory shall be permanent this month. This is my month of victory. This is my month of breakthrough. This is my month of blessing. This is my month of thanksgiving. This is my month of promotion. I'm going higher this month. Y'all welcome this morning. I want to welcome you to another Thanksgiving. Je veux vous souhaiter la bienvenue à un autre dimanche de l'action de grâce. In the year 2019. Dans l'année 2019. I don't know about you. Je ne sais pas vous concernant. But I was thinking last. Mais je pensais. Wednesday. Le mercredi passé. I said this is a new month. Ça c'est un nouveau mois. I said, when did we start in April? Quand avons-nous commencé avril? And now we are in May. Et nous sommes encore en mai. You know, I was so shocked that we are in May. J'étais tellement surprise qu'on était en mai, le mercredi. Because the month went so fast. Parce que le mois est tellement passé très vite. And I lost track of the time. Que j'ai même perdu le temps. I pray that God will give us the grace to number our days right. Je prie que Dieu nous donne la grâce de bien compter le jour au nom de Jésus. This month of May is our month of victory. Ce mois de mai, c'est notre mois de victoire. Because when Jesus died and rose again, parce que quand Jésus est mort et ressuscité encore, he gave us victory over all our enemies. Il nous a donné la victoire sur tous nos ennemis. And I want to welcome you to this month. Et je veux vous souhaiter la bienvenue à ce mois. I want to pray. Je veux prier that que the peace of God, que la paix de Dieu, that surpasses all understanding, qui surpasse toute compréhension, shall be your portion this month. Soit votre partage. The peace of God, la paix de Dieu, will replace every spirit of fear and intimidation. Va remplacer tout esprit de peur et d'intimidation en vous. Whatever you have been fearful, tout ce que vous avez, pour lequel vous avez eu la crainte. This morning, ce matin, you will receive the courage and the strength. Vous allez recevoir le courage et la force. To override every form of fear. De dominer toute forme de peur et de les remplacer par la foi au nom de Jésus. No matter what the situation around you is, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. No matter how the world looks like, peu importe la façon dont le monde se trouve. Whether the world is gloomy, que ça soit tout beau, discouraging, que ce soit décourageant, whatever it is, peu importe la façon dont I want you to be a pusher. Je veux que vous preniez courage. Because you are an overcomer. Parce que vous êtes des victorieux. Jesus has overcome for you. Jésus a vaincu pour vous. You have victory in Christ Jesus. Vous avez la victoire en Jésus-Christ. You are not looking for victory. Vous ne cherchez pas la victoire. Victory is already yours. La victoire vous appartient déjà. And from today, you will walk like a victor. Et à partir d'aujourd'hui, vous allez marcher comme des victorieux au nom de Jésus. Because the Bible says in the book of John 16:33. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean. John 16:33 says. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world,
ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. I want you to know that je veux que vous sachiez que Jesus has overcome for you. Jésus a vaincu pour vous. Because he has come to reveal the peace of God to us. Il est venu révéler la paix de Dieu pour nous. He has come to show us how to receive peace from God. Il est venu pour nous montrer comment recevoir la paix de Dieu. The peace that Jesus came to bring to us, la paix que Jésus-Christ nous a apporté, is not a peace of appeasement. C'est pas une paix d'apaisement. It's not a peace of compromise. C'est pas une paix de compromis. It's not a peace of conformity. C'est pas une paix de conformité. It is a spiritual peace. C'est une paix spirituelle. The world does not give peace. Le monde ne donne pas la paix. For it doesn't have peace. Parce que il n'a pas la paix. The world does not have any peace to give. Le monde n'a aucune paix à donner. Because when you look at the book of John 14:30, quand vous regardez au livre de Jean, in the book of John 14:30, Jesus said, Jésus dit, the prince of the world, le prince du monde, cometh, est venu, and have nothing in me. Et il n'avait rien à moi. So you can understand that there is a prince that rules the world. Vous pouvez comprendre qu'il y a un prince qui and that domine le is monde. Satan. C'est Satan. And Satan does not give peace. Et Satan ne donne pas la paix. Because Satan is the opposite of peace. Parce que Satan c'est l'opposé de la paix. What Satan represents is fear and intimidation. Ce que Satan représente c'est la peur et l'intimidation. But I pray that today, je prie qu'aujourd'hui, the victory that Jesus has given to you, que la victoire de Jésus, will be evident in your life in the name of Jesus. Dans votre vie au nom de Jésus. The world does not give peace. Le monde ne donne pas la paix. It fights for peace. Il se bat pour la paix. It's the world negotiates for peace. Le monde négocie la paix. It maneuvers for peace. Et le monde manœuvre pour la paix. And that is what we see in the world today. C'est ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Nations rising against nations. Les nations qui se lèvent contre les nations. Families rising against families. Des familles qui se lèvent contre des familles. And that is the world that we live in. Ça c'est le monde dans lequel nous vivons. That is what the prince of the world is doing. C'est ce que le prince du monde est en train de faire. But I pray. Mais je prie that as an overcomer, que comme un victorieux, he will find nothing in you. Il rien he did not find anything in our Lord and Savior. Il n'a rien vu dans he will notre find Seigneur nothing in you. Il ne verra rien. In the name of Jesus. Amen. This morning, I will continue my series. Ce matin, je vais continuer dans la série. I started the series. J'avais commencé une série. A couple of weeks back. Il y a quelques semaines cela. I was talking about the nature of God. Et je parlais de la nature de Dieu. And the first one that I talk about is the nature of God is light. Et le premier dont j'ai parlé c'est la nature de Dieu c'est la vie. And I started by quoting the book of Genesis. Et j'ai commencé à faisant référence au livre de Genèse chapitre 1. Said, let there be light. Là où Dieu a dit qu'il y ait la lumière. And there was light. Et il y a eu la lumière. And the chaos and the confusion of the world came to an end. Et le chaos et la confusion qui était dans le monde était fini. Brethren, God is light. Bien aimé, Dieu est la lumière. And if you are created in the image of God, et si vous êtes créé à l'image de Dieu, you are a light. Vous êtes la lumière. And that is why Jesus said, c'est pour cela que Jésus dit, you are the light of the world. Vous êtes la lumière du monde. And he said, a city is set on a hill. Et il dit que une ville sur un montagne. Il ne peut être caché. So the glory of God upon your life, la gloire de Dieu sur votre vie, will not be hidden, ne sera pas cachée. In the name of Jesus, au nom de Jésus, wherever you go, peu importe où vous allez, people will see the glory of God upon your life. Les gens verront la gloire de Dieu because sur you are the light of the world. Parce que vous êtes la lumière du monde. And because you are created in the image parce of God, parce que tu es créé à l'image de Dieu, is the light. You will shine wherever you go. And I want to prophesy into your life this morning. Je veux prophétiser dans votre that vie as the sun rise. As the sun rose this morning, comme le soleil shine brighter and brighter, you will rise and continue to shine brighter and brighter. Et continuer pas briller. Your light will not be dim. Votre lumière ne sera pas terne. Au nom de Jésus. As a light, comme la lumière, God expects you to make a difference wherever you go. Dieu attend à ce que vous fassiez une différence partout où vous allez. And I pray that wherever you go, et je prie que partout où vous allez, people will see you as a light of the world. Les gens vous verront comme la lumière du monde. After the light I talked last Sunday about, après la lumière dont j'ai parlé le dimanche passé, étant la nature de Dieu, because God is love. Parce que Dieu est amour. And if God has created you in His image, et si Dieu vous a créé à son image,
the love of God is deposited in you. L'amour de Dieu est déposé en vous. And whatever is limiting you from manifesting that love, que tout ce qui vous empêche de manifester cet amour, God will remove from your life today in the Dieu name of Jesus. Dieu va l'ôter de votre vie aujourd'hui au nom de Jésus. My prayer for you, ma prière pour vous, is that you will receive the strength, vous que vous allez recevoir la force, the power, la puissance, and the will, et la volonté, to love the unlovable, de d'aimer les aimables, those who are difficult to love, d'aimer ceux qui sont difficiles à aimer. Dieu va vous donner la grâce. Aujourd'hui je vais parler de la nature de Dieu, c'est la paix. Amen. And this morning, ce matin, we'll look at what is peace. Vous allez, on va voir ce qu'est la paix. We'll look at who is peace. Nous allons voir qui est la paix. We'll look at how to get peace. Nous allons voir comment avoir la paix. The difference between the peace of God, nous allons voir la différence entre la paix de Dieu, and peace with God, et la paix avec Dieu. We'll look at the absence of peace, nous allons voir l'absence de la paix, and then what do you do with the peace et, of God that you have? Qu'est-ce que vous faites avec la paix de Dieu? Let's open Mark chapter 4. On va ouvrir notre Bible au livre de Marc. Mark chapter 4, we will read from verse 36 to 41. Mark 4, we will read from 36 to 41. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship, and there were also with him orderly two ships. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose, and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Amen. May the Lord bless His word. My prayer for you this morning, ma prière pour vous ce matin, is that every storm that is raging in your life, in your marriage, in your state, in this life, mariage, dans votre whichever form présent dans ce pays, that storm is, que peu importe ce que receive peace tempête, over them in the name of Jesus. La paix sur elle au nom de Jésus. Jesus is the Prince of Peace. Jésus est le prince de paix. And when you look at et si vous voyez what the word peace means, à ce que la signification du mot paix, the dictionary describes peace as le dictionnaire le décrit comme a state of tranquility, un état de or quiet, de tranquillité et de silence. And they give an example as et donne un exemple. A freedom from civil disturbance. Et la liberté de tout dérangement. When you look at this definition of peace, quand vous voyez à cette définition de la paix, you will realize that this definition is just the surface description of peace. That is the physical appearance. Vous allez voir peace. Que ça c'est une définition superficielle. But peace is much more than the physical tranquility or quietness that we enjoy. La paix c'est plus que cette paix physique superficielle dont on jouit. For every human that lives and breathes, pour tout humain qui vit et qui respire, there is always a battle that is going on in our mind. Il y a toujours un combat qui se passe dans notre pensée. And that is the greatest battle you can ever face. Ça c'est le plus grand combat auquel vous pouvez faire face. The only way et la seule façon you can prevail over such battle de dominer ce combat is if Jesus is your Lord. Et c'est
si seulement Jésus est votre Seigneur. Peace is the Lord over your life. Si le prince de paix est le Seigneur de votre vie. In the world that we live in today, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, the rate of suicide is so high. Le taux. You just hear on the news this person committed suicide and you wonder. Vous allez, on attend souvent les gens que cette personne a commis le suicide. He has this, he has that. Il a tout ce qu'il faut, l'argent, mais pourquoi est-ce qu'il s'est suicidé? But the absence of peace. Mais l'absence de la paix. Brings about chaos and confusion. Apporte le chaos et la confusion. It brings about depression. Apporte la dépression. And when depression reaches a certain level in the life of a man, quand la dépression arrive à un certain niveau dans la vie d'un homme, the next step is the fulfillment of what Jesus said in John 10:10. C'est la prochaine étape, c'est ce que Jésus a dit dans Jean 10:10. That the thief comes to steal, que le voleur vient pour voler, to kill and to destroy, pour voler et détruire. So when a man reaches a level in depression, et quand l'homme arrive à the will become operational in that life. C'est but that will not be your story in the name of Jesus. Because you are here this morning, the peace that Jesus has come to give vous êtes ici, la paix que will Jesus be your portion in the name of Jesus. Au nom de Jésus. The peace that Jesus has come to give, la paix que Jésus est venu donner, is not the peace that the world c'est pas la paix about. Que dont le monde parle. You will see vous in the allez world today, voir dans le monde aujourd'hui. Terrorists are attacking everywhere. Les terroristes attaquent partout. There is war in Syria. Et il y a la guerre en Syrie. There is war in Afghanistan. Il y a la guerre en Afghanistan. In different parts of the world, there is war. Partout dans le monde, il y a la guerre. And people are asking for cessation. Et les gens demandent que la guerre cesse. Set up meetings to stop the war, but the war continues. Ils mettent en place des réunions pour arrêter la guerre, mais la guerre continue. The prince of the world. Parce que le prince du monde manifesting itself est en train de se manifester powerfully in this generation, puissamment dans cette génération, because he knows his time is short, parce qu'il sait que le temps est arrivé, Jesus is coming again, parce que Jésus revient encore. And you can see all the signs that the Bible talks about, et vous pouvez voir tous les signes dans la Bible. When Jesus is going to come, quand Jésus reviendra, there will be chaos and confusion. Il y aura le chaos et la confusion dans le monde. The world will go through turbulence like never before. Et le monde va traverser des turbulences comme we are just getting started. Et ça fait que commencer. And that is why, et as believers, que, en tant que croyant, your prayer should become Lord Jesus come. Votre prière doit être au Seigneur Jésus. Because when revient, it comes, parce que quand you revient, have absolute peace in him. Vous aurez la paix totale en lui. The Bible describes Jesus in Isaiah 9:6. La Bible décrit Jésus dans in Isaiah 9:6. Therefore, unto us a child is born. Unto us a son is given. Un fils and the government shall be upon his shoulder. Nous a donné. Et la nation sera sur ses épaules. And his name shall be called. Et son nom sera. Wonderful Counselor. Le conseiller. The Mighty God. Le Dieu tout puissant. The Everlasting Father. Le Dieu éternel. And this one is what we did, the Prince of Peace. Et le Prince de paix. Jesus came. Jésus est venu. To reveal to us. Pour nous révéler. The peace that is available in God. La paix qui est disponible en Dieu. Jesus is the only source of genuine, perfect Jésus peace. Est la seule source de la paix authentique. The peace that our Savior comes to give. La paix que notre Sauveur est venu donner. Transcends all understanding. Elle transcende toute compréhension. It is not based on what goes around us. C'est pas basé sur ce qui se passe autour de nous. It is based on our relationship with him. C'est basé sur notre relation avec lui. Reverend, no matter what, bien aimé, peu importe you are going through, ce que vous traversez, I want you to know that life will always have difficulties. Je veux que vous sachiez que dans la vie, il y aura toujours des difficultés. We will always have difficulties nous in this world. Nous aurons toujours des difficultés dans ce monde. The reason is because, la raison c'est parce que, when we are too comfortable, parce que quand nous sommes trop confortables, we will think that this is our home. Nous penserons que c'est notre maison. This is not our home. Que c'est notre maison, mais ce n'est pas notre maison. Mais nous sommes juste des and our time here is short. Et notre temps ici est très court. And those times that we are going to spend here, et ces temps que nous allons passer ici, they are to test our faith and trust in God. C'est pour tester notre foi et notre confiance en Dieu. My prayer for you this morning, et ma prière pour vous ce matin, that is this journey of life, que dans ce voyage de la vie, you will prevail in faith in the name of Jesus. Your faith will not falter in the name of Jesus. Vous allez tenir dans votre foi et votre foi ne va pas faillir au nom de Jésus. So when you have this mindset, et quand vous avez cette état de pensée, that this place, que cette place, this planet Earth, que cette planète Terre, is just, c'est juste.
juste a temporary place for une, you. Une place temporaire pour vous. It's a stepping stone to glory. C'est un pas pour aller vers la gloire. You will be able to live at peace. Vous allez vivre dans la paix. Because you know parce que vous savez that your tomorrow que votre demain will be better than your today. Sera meilleur que votre aujourd'hui. And that is what it's going to be in the name of et Jesus. Ce qui sera au nom de Jésus. Life will always have difficulties. Il y aura toujours des difficultés dans la vie. But our Savior, mais notre Sauveur, who loves us more than life, qui nous aime plus que la vie, is greater than all our difficulties. Est plus grand que toutes nos difficultés. Jesus is the author of peace. Jésus est l'auteur de la paix. And that is why we saw in the Bible passage that we read in Mark 4. Nous avons vu dans le passage que nous avons lu dans Marc 4. In that Mark 4 that we read, dans ce passage de Marc 4, he was able to calm the storm. Il a été en mesure de calmer la tempête. To speak peace to the storm. Il a été en mesure de parler la paix à la tempête. And I pray this morning, et je prie ce matin that everyone here this morning, que toute personne ici ce matin that is going through one storm of life, qui traverse toute tempête, receive the peace of Jesus in the name of Jesus. Receive the peace in the name of Jesus. This peace of God, cette paix de Dieu, it's not just an abstraction that the pastor, the preacher, the theologians c'est talk pas, about. C'est pas juste une abstraction dont le prêtre, le pasteur parle. It is the new peace that is available in Christ Jesus. C'est une paix vraiment authentique qui est disponible en Christ Jésus. And it's available to those who believe in Christ. Et c'est disponible pour tous ceux qui croient en Jésus. The Bible says in the book of Romans 5:1. La Bible dit dans le livre de Romains 5:1, it says, therefore, be justified by faith. Pour cela, soyez justifiés par la foi. We have peace with God. Nous avons la paix avec Dieu. Through our faith in Lord Jesus Christ. À travers notre foi au Seigneur Jésus Christ. How do we find peace with God? Comment trouvons-nous la paix avec Dieu? We must stop fighting. Nous devons arrêter de combattre. We must surrender all. Nous devons tout soumettre. To Jesus. À Jésus. Because parce que many times we still want to do things parce que plusieurs fois nous voulons faire les choses in our own way, de notre façon, not God's way, pas de la façon de Dieu. Because sometimes God is too slow for us, parce que des fois nous pensons que Jésus est trop lent et Dieu est trop lent, and we don't have time to wait on God. Nous n'avons pas le temps d'attendre à lui. But brethren, mais bien aimé, when you think you know more than God, quand vous pensez que vous connaissez plus que always Dieu, a consequence that comes with that. Il y a toujours une conséquence qui vient avec ça. And I pray that the Lord will give you the patience prie que to Dieu wait on Him in the name of Jesus. La patience de l'attendre au nom de Jésus. You need to stop fighting. Vous devez arrêter de combattre. To dominate your life. Pour dominer votre vie. Indeed, Jesus is your Lord and Savior. Oui, en effet, le Seigneur Jésus est le votre you Seigneur. You are allowing to guide you. Oui, vous allez lui permettre de vous and where he leads, he provides. Là où il est, il pourvoit. And where he guides, he protects. Là où il guide, il protège. And that is one benefit you will get from him in the name of et Jesus. Et ça, c'est un avantage que vous obtenez en lui au nom de Jésus. To have, we are talking about the difference between the peace of God. Nous parlons de la différence entre la paix de Dieu and peace with God. Et la paix avec Dieu. A lot of people have misunderstanding about beaucoup de personnes ne comprennent pas très bien les deux. But the two are different. Mais les deux sont différentes. You get the peace with God. Vous avez la paix avec Dieu. When you accept Jesus as your Lord and Savior. Quand vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. The Bible passage that we read in that Romans. La Bible, le verset que nous avons lu dans le Romains. Therefore, being justified, you are justified by faith. Par la foi. It is that justification. C'est cette justification. That makes you to have peace of God. Qui vous permet d'avoir la paix de Dieu. The peace of God is what you receive. La paix de Dieu, c'est ce que vous recevez. When you accept Jesus as your Lord and Savior. Quand vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. But the peace of God, mais la paix de Dieu, is another level in your relationship with God. C'est un autre niveau dans votre relation avec Dieu. The peace of God that we are talking about here, la paix de Dieu dont on parle ici, is what happens when you start to grow in faith in God. C'est ce qui se passe quand vous commencez à grandir dans la foi en it's Dieu. Another level of your relationship with c'est God. Un autre niveau de votre relation avec Dieu. And it is not something that jumps on you. Et c'est pas quelque chose qui saute sur vous. It is something that you walk through. C'est quelque chose que vous bâtissez dans votre relation and avec that Dieu. Is why you see c'est pour
C'est là que vous voyez clearly the difference between a believer clairement la différence entre un croyant that has genuine fellowship with God. Il y a une communion authentique avec Dieu. And you will see a believer et un autre croyant that is not committed. Qui n'est pas engagé. They will panic for things. Ils vont faire des choses. They will be scared to hell because of things that comes their way. Ils vont avoir peur à cause des choses qui leur arrivent. And you see someone et vous allez voir quelqu'un d'autre that has grown in faith, qui a grandi dans la foi, that has the peace of God, qui a la paix de Dieu. They will be undisturbed. Et ils seront, on peut pas les déranger. In such situation, ils peuvent pas être bougés. In the Bible example that we read in Matthew 4, dans Matthieu 4, you can see the disciples of Jesus running out of scattered. Vous allez voir les disciples de Jésus. Aller dans tous les sens. Jesus was not bothered. Jésus n'est pas là. Because he was operating at a different level. Parce que because he had the peace of God in him. À un autre niveau. He knows that his father will not watch and see the prince of the world destroying him. Son père ne va pas regarder que le prince du monde le détruise. He knows that God will not just sit idle and allow Satan to overwhelm him. Et attendre que Satan. That is the mindset you need to have as believers. Ça doit être votre. If you really trust in God. Si vous know that God will not just sit idle. Dieu ne va pas and allow your situation to overwhelm you. Attendre votre situation vous domine. You know that is the trust we have in Christ Jesus. Ça c'est la confiance que nous avons en Christ Jésus. And that is the difference between the peace of God. Ça c'est la différence entre la paix and peace with God. Et la paix avec Dieu. I pray that you will receive both in the Je name of Jesus. Que vous receviez les deux au nom de Jésus. Because of our time, I will à just. À cause de notre temps. I think I'm talking too much. Je pense que je parle. When you look at Galatians 5:22, in the Galatians 5:22, it says, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith." Peace is one of the fruit of the Spirit. La paix est un des fruits de l'esprit. You know, when you look at this fruit of the Spirit, quand vous voyez à ce fruit de l'esprit, you know there are many virtues that are mentioned there. Il y a beaucoup de vertus qui sont mentionnées là. But they are grouped as a fruit. Et il y a, ils sont groupés comme des fruits. They are not grouped as fruits. Ils ne sont pas groupés comme fruits. They are a total package in parce, one. Parce que c'est un groupe, ils sont dans un comme un paquet. This is what God's expectation is for us as believers. Ça c'est l'attente de Dieu pour nous en tant que croyants. That wherever we go, que partout nous allons, this package, que ce paquet, will be evident in our lives. Soit évident dans notre vie. Peace is something that you need to cultivate. La paix c'est quelque chose qu'on doit cultiver. In your relationship with God. Dans notre relation avec Dieu. Because when you have the understanding of the nature of God. Quand vous avez la compréhension de la nature de Dieu. All these fruits of the Spirit that we are talking about. Tous ces fruits de l'esprit dont on parle. They will be evident in your life. Elles seront évidentes dans votre vie. And it doesn't come, it doesn't jump on you. Ça ne saute pas sur vous. By just coming to church on Sunday. Parce que vous venez à l'église les dimanches. You have to be in the Word of God. Vous devez être dans la parole de Dieu. To know who God is. Pour connaître qui Dieu est. You know, our attitude as believers, notre attitude en tant que croyants, is that we act based parce que nous agissons on vision. Basé sur des visions. You know, many of us will buy cars. Plusieurs achètent des voitures. And they might put the manual of the car in the glove compartment. Et ils mettent le manuel dans. If I ask a question now, everybody will fail. How many of you have looked at the car manual that you have? Si je pose une question, combien de personnes ont déjà vu le manuel du car? Before you have problem with the car. Pas avant que vous ayez un problème avec la voiture. Very few people look at the manual. Et quelques personnes seulement. They just enter the car. Oh God. Le manuel. Bless you. Thank you. Ils vont rentrer dedans et vont dire Dieu, je te bénis, merci. Where is the key? Oh, the key is different. How do you do it? They put the key where it's supposed to. They start the car, they drive, and they go. Ils vont là où ils veulent aller. The same attitude that will take to things. Cette même attitude qui va amener aux choses. That benefit us in life. Qui nous bénéficie dans la vie. C'est ces mêmes attitudes qu'avec Dieu. Many of us, if I quote a Bible passage, if I'm wrong, it doesn't bother you. Beaucoup de personnes, si je dis des versets, si je me trompe, vous vous en foutez. You know, you accept. There is no fact check.
in our Christianity. Parce qu'il n'y a pas de moyen de vérifier dans notre chrétienté. We are not supposed to live like that. Nous ne sommes pas supposés vivre comme ça. As children of God, en tant qu'enfants de Dieu, let's desire to know this God. Ayant le désir de connaître ce Dieu. When you look at Philippians 3:10, dans Philippiens 3:10, the Bible says that I may know Him. Que la Bible dit que je le connaisse. And the power of His resurrection. Et la puissance de sa résurrection. And the fellowship of His suffering. Et la communion de sa souffrance. Be made conformable unto His death. Sois fait conforme à sa mort. I believe none of us. Je crois que beaucoup d'entre nous have an encounter that Apostle Paul had with God. N'a jamais eu la rencontre que l'apôtre Paul a eu avec Dieu. Before we accept Jesus as our Lord and Savior. Avant que nous acceptions Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. This man. Ce homme had an encounter. A eu une rencontre. He heard the voice of God. Il a entendu la voix de Dieu. He was blind. Il a été aveugle. And God brought him back. God brought back his sight to et him. Dieu lui a permis de recouvrir la vue. So he has a genuine. Il avait encounter with God. Une rencontre authentique avec Dieu. But when you look at the statement that is made in this Philippians 3, quand vous regardez à ce passage de Philippiens, he is telling us. Il nous dit that those encounters that he had in the past, ces rencontres qu'il a eues dans le passé, they are just very, very. C'est juste. He wants to know this God more. Il veut connaître Dieu. And it is that desire and passion. C'est cette désir et cette passion. That made him one of the greatest apostles that we ever. Qui a fait de lui un des plus grands apôtres qu'on a connu dans la Bible. Reverend, that is the same attitude God expects us to have. C'est la même attitude que Dieu espère que nous ayons. For us to operate at a level that God wants us to operate. Pour que nous opérons au niveau que Dieu veut que nous opérons. We need to desire to know Him. Nous devons avoir le désir de le connaître. We don't have to be passive Christians. Nous ne devons pas être des chrétiens passifs. We have to be active Christians. Nous devons être des chrétiens actifs. And I pray that God will make you an active Christian. Et je prie que Dieu vous fasse de vous des chrétiens actifs au nom de Jésus. When Jesus, quand Jésus was with his disciples after resurrection, était avec ses disciples après la résurrection, and he wanted to, il voulait give them his last word, leur donner ses dernières paroles, before he ascended to heaven, avant qu'il monte au ciel. He told them, il leur a dit. He said he was leaving his peace with them. Il laissait leur sa paix. And I want you to know. Et je veux que vous sachiez. That statement. Que cette phrase. Is not meant for only the believers at that time. C'était pas juste pour les croyants de cette époque-là. It is meant for us. C'est pour nous aussi. And it's meant for generations.